On termine avec le film événement de la semaine, Cédric Capiche, à nouveau, qui fait à nouveau appel à Romain Duris pour tourner la suite de l'Auberge espagnole et des Poupées russes. L'équipe du film était à Marseille la semaine dernière pour présenter ce troisième volet, baptisé le casse-tête chinois, qui sort aujourd'hui en salle. Xavier, le héros du film, est désormais un quarantenaire qui s'est exilé à New York, où sa vie sentimentale est toujours autant tumultueuse. Depuis 6 mois, on est séparés avec Wendy. Ah non, c'est pas vrai. Vous alliez si bien ensemble. Xavier, faut que tu fasses quelque chose parce que tu vires con, là. Pourquoi ça se prend la porte, Nawak? Et les enfants? Bonjour. I want to live in New York. And I'm taking the children. Quoi? On est pas en train d'arriver là-bas. C'est une super belle vie, New York, je te jure. Une nouvelle fois, j'ai décidé de partir. Ça fait 13 ans qu'il y a ces personnages, Xavier, Martine, Isabelle, qu'on suit. Et je trouvais ça vraiment particulier de faire ce film, là, l'Auberge espagnole, où ils avaient 25 ans, les Poupées russes, où ils avaient 30 ans. Et là, ils ont 40 ans dans le troisième épisode. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir suivre des personnages à travers leur vie, avec le vrai vieillissement, avec le temps qui passe en vrai, disons.